Bonjour, je m'appelle El Hadj Aline Gueye, je suis de nationalité sénégalaise, je vis et je travaille à Dakar. J'ai participé à une résidence artistique Bosserna. J'ai réalisé une œuvre qui s'appelle Mbodi, c'est en Wolof. Mbodi veut dire en français stigmatisation. Avec l'arrivée de la pandémie au Sénégal, le nombre de cas qui ont été déclarés à l'étranger, le nombre de morts aussi, a fait que les gens ont peur. Cela a créé une psychose dans la tête des Sénégalais, de telle sorte que si ils voient une personne qui est atteinte par cette maladie, les gens le fuient, les gens le stigmatisent. Dans certaines localités, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on enterre une personne qui est décédée à cause de la COVID-19, parce qu'ils croient que ils seront contaminés par ce virus. Comme technique, j'ai utilisé du papier canson que j'ai marouflé sur la toile avec aussi des matériaux comme le flicot et aussi des pastels à l'huile. Bon, la résidence Bosserna, c'est une plateforme qui nous a permis en tant qu'artistes d'avoir plus de visibilité sur le plan international. Aussi, ce qui s'est passé actuellement, le monde de l'art est complètement à genoux. Beaucoup d'événements artistiques sont reportés, notamment la Biennale de Dakar. Aussi, beaucoup de galeristes aussi sont en faillite, les galeries sont fermées. Et Jundelmar aussi, vraiment, ça nous permet aussi de promouvoir aussi notre carrière artistique. Je remercie Jundelmar Art and Design, I Love Senegal et l'Institut français de Dakar pour ce projet.